Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision où nous recevons Monsieur Augustin Kapila. Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour cher ami. Porte-parole de l'IDPS au Nord Kivu, c'est ça? Secrétaire fédéral en charge de la communication et information dans la fédération de Goma, dans l'IDPS Tshisekedi et porte-parole fédéral. Voilà, parti présidentiel, parti au pouvoir. Bien sûr. D'accord, nous avons le privilège de vous recevoir en tout cas en exclusivité sur Congo Live Télévision pour parler encore de la question sécurité dans les Rutshuru. Nous sommes en tout cas, nous avons appris à midi, il y a encore des violents affrontements qui ont repris dans le territoire des Rutshuru, précisément en Tamugenga et Bweza, après une perte en tout cas infligée au M23 hier mardi. Les rebelles sont, on signale que les rebelles sont en tout cas sur la colline de Nyabikona et au village Ruseka. Quelles sont les dernières informations que vous avez, monsieur Kapila? Vous êtes au pouvoir, vous êtes censé connaître ce qui se passe. Oui, nous sommes en train d'observer et d'écouter la façon dont nos forces armées se comportent sur le champ des batailles. Et les peuples de Goma et du Nord Kivu en général, nous sommes très très contents. Il faut que les gens sachent une chose. La République démocratique du Congo, qui a été gérée par. Qui est gérée aujourd'hui par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine, est différente de celle qui a été gérée par nos prédécesseurs. Ça voulait dire. Vous savez vous-même qu'à l'époque, lorsque l'M23 est entré ici, lorsque nos forces armées se battaient avec l'M23, nous avons assisté à des scénarios macabres. Là, je parlerai des défections multiples que nous avions connues à l'époque où les militaires faisaient défections au sein de l'armée pour rejoindre, n'est-ce pas, les rebelles dans la brousse. Mais cette fois ici, en tout cas, il n'y en a plus. Toujours à l'époque, lorsque les FARDC prenaient le dessus sur les M23, il y avait toujours les mots d'ordre qui venaient de Kinshasa, leur demandant de reculer et de laisser, n'est-ce pas, l'occasion aux rebelles de pouvoir avancer. Aujourd'hui, ces histoires-là n'existent plus. Alors, maintenant là, nos forces armées sont en train de faire un travail magnifique. Ils ne reculent pas, ils ne savent qu'avancer parce que les mots d'ordre ne viennent plus. Et moi, étant fils d'un ancien militaire, je n'ai jamais entendu parler du régiment au sein de l'armée. Ce mot-là est venu. C'est Kabila lui-même qui est venu avec ces mots-là, régiment, pour justement donner, n'est-ce pas, l'occasion à ses frères d'intégrer l'armée nationale. Ses frères, bien sûr, ses frères, de pouvoir. Ses frères congolais, c'est ça. Parlez tout ce que vous voulez, mais moi je crois que Kabila avait donné l'occasion à ses frères. Congolais. À ses frères. D'accord. Et créant les mots régiment, qui n'existent pas dans l'armée. Parce que moi, en tant que fils d'un ancien militaire, je sais qu'au sein de l'armée, il n'y a que la section, le peloton, la compagnie et les bataillons. C'est ça ce que moi j'ai connu dans l'armée, quand papa était encore militaire. Alors, cette histoire de régiment-là, que Kabila nous avait amené ici, c'est ça qui a créé, n'est-ce pas, la confusion au sein de l'armée. Donc, il y avait une armée dans l'armée, infiltrée au sein de l'armée, n'est-ce pas, nationale. Raison pour laquelle à l'époque nos forces armées avaient toujours des lacunes, des pépins, des problèmes pour avancer. Donc l'infiltration était vraiment à haut niveau. Donc ça surprit même les gens. Et aujourd'hui, je crois qu'avec l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est en train de réformer petit à petit donc l'armée. Je crois que l'ordre est en train de se rétablir au sein de l'armée. Et nous avons aujourd'hui une armée très très forte et disciplinée parce que nos jeunes militaires qui viennent de Kitona, de Kibomango, de Kasapa, dans les Kamina base, en tout cas, ce sont des jeunes garçons très très formés qui n'ont pas peur et qui avance vers l'ennemi. Je crois aujourd'hui nous pouvons quand même palper du doigt, n'est-ce pas, les résultats positifs des forces de nos forces armées. D'accord. Revenons sur les affrontements d'hier mardi.
d'autres éléments qui prouvent que le Rwanda est avec les M23 sur les sols congolais. Des équipements de l'armée rwandaise saisis par les FRDC après l'échec de rebelles ce mardi dans les Rutshuru. Des pertes énormes dans les rangs du M23. On a vu des casques par balles, des gilets par balles, des bottines, disons des bottes, voilà, de l'armée, donc les équipements de l'armée rwandaise. Encore des éléments qui montrent et qui prouvent réellement qu'il y aurait, bon, je ne veux pas s'il faut que je les mette aux conditions, qu'il y a en tout cas la présence de l'armée rwandaise sur les sols congolais. On va continuer à crier ou bien à dénoncer jusqu'à quand, M. Kabila. Il y a Kigali qui a toujours démenti sa présence en RDC. Comment comprendre ce jeu? Bien sûr, c'est sans doute que le Rwanda est en train de soutenir les rebelles d'M23. Et certains Congolais ne veulent même pas qu'on puisse parler d'M23. Ils parlent directement de l'agression rwandaise. Et si on trouve des effets militaires sur le champ des batailles, c'est sûr évidemment que les militaires rwandais sont dans le champ des batailles qui combattent aux côtés d'M23 pour attaquer nos forces armées. Ce n'est pas que nous dénonçons tout simplement. Les efforts qui sont fournis par nos forces armées, je crois que c'est déjà quelque chose que tous les Congolais ne peuvent qu'applaudir et soutenir nos forces armées. Parce que lorsque nos forces armées sont en train de prendre les décisions sur les rebelles M23 soutenus par le Rwanda, parmi les morts, parmi ceux qui perdent la vie là-bas, il n'y a pas que les militaires M23, il y a aussi les militaires rwandais aussi qui tombent sur le champ de bataille. Et ça veut dire que nous sommes déjà dans une guerre ouverte entre les Congo et les Rwanda. Je crois, à mon humble avis, que ce que les Congo est en train de faire, c'est que même le chef d'État lui m'avait dit que c'est les Rwanda qui nous agressent. Tout ce que nous sommes en train de constater dans le champ de bataille, ça veut dire que nos forces armées sont en train de prendre les décisions sur l'armée rwandaise, n'est-ce pas, qui est aux côtés du M23. Alors, en tout cas, nous avons appris, on voit les images qui circulent sur les réseaux sociaux, des images authentiques qui montrent qu'en tout cas, les FARDC ont frappé fort les rebelles. Selon nos sources, que peut-être nous n'allons pas citer ici, qui nous viennent du Rwanda, il y aurait même certains médias rwandais qui parlent que depuis en tout cas les affrontements, parce qu'ils ont repris bien sûr depuis le vendredi dernier, les dés s'organisent, se tiennent au Rwanda. Comment comprendre ces phénomènes? Bon, ce sont les informations que nous avons hein, pour ces derniers moments. On nous dit qu'au Rwanda, il y a les dés presque partout, oui. À Kigali, dans certaines villes du Rwanda et même dans des villages. Parce que les Rwanda est en train de prendre même des hommes dans leurs maisons. J'ai appris ça hier, qu'on est en train d'entrer dans des maisons, des citoyens, on prend même des civils pour les forcer à être dans les rangs de l'armée rwandaise afin de donner un peu du poids à l'armée rwandaise. Et raison pour laquelle, lorsque nos forces armées prennent les décisions sur les rebelles soutenus par les Rwanda, voilà pourquoi il y a les dés partout à Kigali, au Rwanda, partout là-bas. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit savoir que la RDC est agressée par un pays qu'on appelle Rwanda, qui fait semblant d'être un pays voisin, mais nous sommes entourés par un ennemi qui ne jure que sur les sang des Congolais. Et bien heureusement qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'écouter le plaire des Congolais. Dieu est avec les Congolais parce qu'il écoute chaque jour les prières faites par nous qui sommes des Congolais. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, à chaque fois que nous nous approchons à l'organisation des élections, il y a toujours des guerres qui commencent toujours par les Rwanda. Donc pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'est du pays. Et à mon humble avis, je suis en train de croire que cette fois ici, les Rwanda ne réussira pas, n'est-ce pas, sa mauvaise politique de déstabiliser l'est du pays. Je crois, à mon humble avis, nous sommes victimes, nous, au Congo ici, depuis l'arrivée de l'Aftel au Congo ici, nous sommes victimes de ça. Donc, nous n'avons jamais connu les accords de l'Emera qui ont été signés entre Kigali
et Kinshasa à l'époque, lorsque l'AFDL venait au Congo. C'est à partir de ça que nous sommes devenus des victimes. Donc, les mêmes intentions que détiennent aujourd'hui l'M23 soutenu par les Rwanda, ce sont les mêmes intentions que l'AFDL avait à l'époque pour, n'est-ce pas, chercher à occuper, n'est-ce pas, l'est du pays, que ça soit intégré au Rwanda. Je crois, à mon humble avis, que les Congolais, nous ne sommes pas dupes, nous connaissons bien l'histoire. Et cette histoire-là, en tout cas, nous allons mettre fin à ça. Et il y a aussi une chose de taille que je voudrais, n'est-ce pas, signaler ici. Vous savez, dans aucun pays du monde où on a déjà vu un général, un chef d'état-major général qui a géré deux pays. C'est ça l'histoire, les Congolais. Donc, nous avons l'histoire dans notre tête. Donc, notre mémoire n'est pas courte. James Kabarebe, à l'époque, il a géré deux armées. Il a géré l'armée rwandaise, il a aussi également géré l'armée congolaise. C'est à ce moment-là que l'infiltration à outrance a commencé dans l'armée congolaise. C'est-à-dire les Rwandais étaient déjà dans l'armée, dans notre armée. Les Rwandais étaient déjà infiltrés chez nous depuis très très longtemps. D'accord. Et l'arrivée du chef de l'État congolais, Tshisekedi Félix Antoine, je crois que les lignes sont en train de bouger dans un bon sens. Je crois que en tout cas, nous sommes en train d'aller vers, n'est-ce pas, vers un but pour que la paix revienne, n'est-ce pas, dans cette région ici. Mais pour certains opposants de Tshisekedi, ils disent que la situation semblait dépasser les chefs de l'État. Non, je ne pense pas que la situation est en train de dépasser les chefs de l'État. S'ils disent comme ça, c'est vrai que nous sommes en démocratie, ils ne peuvent que dire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, à mon humble avis, je pense que le chef de l'État est en train d'étudier la situation pas à pas. Et il étudie et il est en train, n'est-ce pas, de contrôler tout ce qui se passe. Je crois que, en tout cas, la réussite est de notre côté. D'accord. Pour finir, parlons un peu politique, comme c'est de l'actualité. Nous avons appris un premier tête-à-tête entre l'ancien directeur de cabinet de Tshisekedi, donc Vital Kamerhe, et le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi. Il a dit, Vital Kamerhe, je me vois comme un citoyen prêt à servir son peuple. C'est la réponse à laquelle il a apporté à la question de savoir s'il sera le prochain premier ministre de la RDC. Selon vous, comment d'abord vous avez analysé ce face-à-face de Tshisekedi et son allié Kamerhe? Bon, nous avions été très très contents de voir que le rapprochement entre les deux personnalités revient une fois de plus pour l'intérêt général de tous les peuples congolais. Et Vital Kamerhe, ce n'est pas comme n'importe qui, c'est une figure emblématique de la politique de notre pays. Et il va de soi qu'il puisse toujours travailler ensemble avec le président de la République pour enfin, n'est-ce pas, redonner l'image positive de la politique et pour que notre pays, n'est-ce pas, fasse quand même des biens à tous les peuples congolais. Et j'ai entendu par sa bouche, quand il est sorti, il rencontre avec le chef de l'État, il a dit qu'il a appris beaucoup en prison et qu'il a lancé, n'est-ce pas, un appel à l'unité nationale et surtout que notre pays aujourd'hui fait face à l'agression rwandaise. Donc il appelle, n'est-ce pas, tous les politiciens à s'arranger, n'est-ce pas, derrière le gouvernement congolais et soutenir aussi le commandant suprême et même les forces armées pour que la paix revienne dans cette partie de la région. Je crois que la rencontre entre le chef de l'État et Vital Kamerhe, ça nous ramène encore aux accords de Nairobi, parce que comme vous le savez très bien, nous sommes toujours dans le cache entre l'UDPS et l'UNC. Nous faisons bloc, nous formons, n'est-ce pas, un corps politique. Je crois, à mon humble avis, ils se sont parlé de beaucoup de choses sur les caches et sur l'avenir du pays et sur les élections qui pointent à l'horizon. Et probablement, ils ont même parlé du poste du Premier ministre, parce qu'à mon avis, s'il y a remaniement aujourd'hui, comme les gens sont en train de le dire, donc nous ne serons pas surpris que Vital Kamerhe puisse récupérer, n'est-ce pas, son poste à la primature, comme on s'était convenu à l'accord de Nairobi. Donc tout est possible pour le moment. En dépit de ça, il faut préciser que Kamerhe, en tout cas, a réitéré son soutien et sa loyauté au président Tshisekedi. Il s'est dit prêt à renforcer les partenariats politiques
qui les lie au chef de l'État à travers leur parti politique, c'est-à-dire l'INC et l'IDPS. Mais M. Kapila, on sait que Cameroun, c'est un acteur vraiment important dans ce pays, un acteur politique important dans ce pays. Un fils de l'Est, il maîtrise bien la situation, ce qui se passe surtout dans cette partie est du pays. Est-ce que pensez-vous qu'il a aussi un rôle à jouer par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Comme vous le dites également, il vient d'être acquitté pendant que le pays fait face à l'agression. Ah oui, vous savez, l'INC, c'est parmi les grands partis politiques de notre pays, qui est géré aussi par une figure emblématique de la politique du pays. Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent d'abord, il le voit, il a toutes les capacités, il a toutes les compétences de pouvoir aider aussi les chefs de l'État par ses idées. Étant fils de l'Est, il connaît bien les méandres, n'est-ce pas, de cette région. Je crois qu'il peut apporter, n'est-ce pas, un peu plus sûr pour que, n'est-ce pas, la paix revienne dans cette région ici. Et l'acquittement de Vital Kamerhe ne peut que faire du bien à tous les peuples congolais. Parce que tous les peuples congolais en général, et même les militants de l'INC en particulier, ont salué, n'est-ce pas, cet acquittement judiciaire. Bien que certaines personnes parlent de l'acquittement politique, mais moi je ne suis pas de ce côté-là. Moi je parle d'un acquittement judiciaire parce que après plaidoirie, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de preuves matérielles qui pouvaient, n'est-ce pas, amener Vital Kamerhe à la condamnation. Voilà pourquoi il a été acquitté. Et donc nous, ce que nous pouvons demander aux militants de l'INC surtout, c'est d'éviter les triomphalismes, mais ils doivent beaucoup se concentrer sur, dans des prières intenses pour soutenir leur leader, parce qu'il a encore un rôle à jouer très très important, n'est-ce pas, dans la politique de notre pays. D'abord, étant fils de ses côtés ici, il peut encore jouer un rôle très important pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Merci. Alors pour finir, j'ai envie qu'on revienne en tout cas sur ce qui se passe dans les Rutshuru. Et je voudrais bien que vous puissiez regarder ma caméra et lancer, comme à l'accoutumée, un message au chef de l'État qui est le commandant suprême, un message à l'armée et à la population. D'abord au commandant suprême, chef de l'État, nous lui encourageons, nous lui donnons beaucoup d'encouragement qu'il progresse dans cet angle-là, qu'il soutienne nos forces armées. Je crois que la vérité va finir par triompher et la réussite sera de notre côté. À nos forces armées, nous leur demandons de garder toujours la même morale parce qu'ils ont le soutien de tout un peuple, ils ont, n'est-ce pas, l'appui de tous les peuples congolais en général et du Nord Kivu en particulier. Donc nous les soutenons à bras ouverts, à cœur ouvert. Je crois qu'ils ne vont pas reculer devant les ennemis de la République, devant l'M23 qui est soutenu par les Rwandais. Nous sommes en train de leur demander d'avoir du courage, d'aller de l'avant, parce que l'ennemi ne prendra pas les décisions sur nos forces armées. Et je crois, à mon humble avis, au peuple congolais, de continuer à soutenir nos forces armées, à les encourager et de dénoncer, n'est-ce pas, tout cas suspect qui peut-être ici dans la ville de Goma en particulier, même dans le nord Kivu en général, de dénoncer tout cas suspect pour donner, n'est-ce pas, les informations à nos forces de sécurité pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner beaucoup plus de courage à nos forces armées de pouvoir avancer devant nos ennemis. Merci beaucoup, monsieur Auguste Kapila. Je rappelle que vous êtes de l'IDPS Tshisekedi en Nord Kivu, c'est ça? Oui, bien sûr. Et tout va bien, c'est de l'IDPS ici chez vous pour faire. Donc, c'est une parenthèse, mais pour finir avec cet entretien. Non, l'IDPS Nord Kivu, situé à Goma, non, tout va bien. Nous sommes en parfaite harmonie avec tous les membres du comité fédéral ainsi que tous les militants de l'IDPS. Nous progressons très bien, nous soutenons le chef de l'État, qui est d'abord les fruits de l'IDPS. Nous soutenons notre secrétaire général, Augustin Kabuya, qui d'emblée est en train de faire un travail magnifique en gérant l'IDPS. Je crois que nous évoluons très bien, sans aucun problème. Mais certains membres semblent fistiger la gestion. Ils se disent, surtout des gras, si vous voulez dire comme ça, des anciens combattants de l'IDPS. S'il faut que je dise, ne semble pas en tout cas
être aussi, se retrouver aux affaires. Est-ce que, pendant que vous êtes, en tout cas, vous, là, aux affaires, l'IDPS, certainement, personne, en tout cas, ne sont pas contents de la gestion de l'IDPS. Comment vous trouvez cela? Je sais que c'est notre séjour, on aura prochainement, en tout cas. Oui, bon. On viendra sur ça, on aura tous les moments, mais j'ai envie qu'on en parle pendant moins d'une minute. Bien sûr, vous savez que l'IDPS, c'est un arbre qui porte des fruits mûrs. On ne peut que parler de l'IDPS dans les mauvais ou dans les bons sens. Je crois que nous sommes même dans une famille, il y a toujours des petits problèmes, des petits couacs. Mais on finit toujours par trouver solution. Je crois que... Est-ce que vous, personnellement, savant, vous sentez très bien, bien assis, et bien en tout cas encadré, ou bien bénéficier également les fruits de votre combat en tant que membre de l'IDPS? Écoutez, moi, bon, particulièrement, je me sens d'abord bien, parce que l'IDPS est au pouvoir. Les gens pensaient que l'IDPS pouvait... L'IDPS au pouvoir, mais vous ne vous sentez pas être au pouvoir. Les gens pensaient que l'IDPS pouvait être un parti de l'opposition éternelle, mais quand on est au pouvoir, moi en tout cas, ça me réjouit. Mais nous continuons à garder la foi. Nous gardons la foi toujours, parce qu'un jour, ça viendra. Vous savez, dans un parti de masse, on ne peut pas arriver à récompenser tout le monde au même moment, tout le monde à la fois. Je crois que chacun a son tour, et les miens aussi viendra. Donc, et vous êtes là, vous êtes en attente, si je comprends bien. Bien sûr, ça ne peut pas nous décourager, nous autres. Mais vous occupez un poste important, monsieur Kapila. Bien sûr, je ne refuse pas. Donc, nous avons des convictions au sein de notre parti. Je crois que les moments viendront, tout viendra. On ne peut pas servir tout le monde à la fois. Je garde ma foi, je garde ma conviction au sein de mon parti. Je sais qu'un jour, le parti se souviendra de moi. Merci beaucoup, Kapila. On va organiser une émission spéciale uniquement sur cette question. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.